Salut à tous et à tous, c'est Mathieu. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans Roblox. Donc le nom du jeu, du mini-jeu s'appelle Camping. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va visiter. Et je suis pas tout seul. Coucou tout le monde. Je suis avec mon frère. Bonjour. Donc ça sera, l'aventure sera beaucoup plus fun à deux que solo. Ouais, parce que sinon c'est un peu ennuyeux. Parce que par exemple, il y aura un moment où on va... Ne spoil pas mon frère, il ne faut pas spoiler. J'ai pas spoilé. Il y a un moment où on devrait être à deux, et si on a perdu toute notre vie, s'il nous reste plus beaucoup de vie, et ben ce moment... On est mort. Il pourra nous tuer et... On As-tu pourra... encore appuyé ? Non. Dommage. Et on pourra le dire à la personne qui sera avec nous. Donc je pourrais le dire à Greg si... Il y a un problème. Donc là, vous avez la tente bleue et là, la tente rouge. Je sais... N'allez jamais dans la rouge. Jamais. C'est... il va y avoir un problème. Voilà. Donc, comme vous avez entendu, il faut jamais aller dans la rouge. Et là, on attend donc... La nuit. La nuit. Donc, le soleil est presque couché, comme vous pouvez le voir, parce qu'on peut le voir là-haut. Bon, moi, je le vois pas trop, hein. Il se lève de là-bas et il se couche là-bas. Et la nuit, il y aura un petit truc. Je donc là, c'est toi. Le panier pique-nique. Le pique-nique, j'ai faim. Je sais pas. Et donc là, il y a des pancartes. Qu'est-ce qui est écrit? Donc on a le camp qui est donc là-bas. La cave là-bas et le lac là-bas. C'est... Le lac c'est là-bas. Je vais aller voir et j'ai vu un bâtiment. Il est là-bas. Il est impossible d'accès, mon frère. Je vais aller le voir. Il y a un marteau dedans. C'est bien. Donc, j'espère. Je crois, mon frère, quand. Ah, la nuit approche. Donc, j'ai. Mon frère, je crois qu'en appuyant sur ton écran, tu peux sprinter. Je crois que ça sprint. Bon, il faut mieux aller au camp au cas où. Donc, on a été téléporté au camp. Et là, c'est. On voit vraiment plus rien. C'est normal pour le moment. Vous allez voir, on va revenir juste après. Donc là, on voit plus rien, donc c'est normal. Alors, il faut se relaxer et se raconter des histoires. Bon, on va se raconter des histoires. Non, c'est pas que ça. Faut se relaxer autour du feu de camp. Ouais, bon, hein, on va se relaxer, mon frère et moi. Ça va, personne. Donc, on va se poser, on va attendre un peu un petit moment. Je sais pas toi, mais moi, j'ai un peu trop peur. Je vais me refermer, je vais me mettre dans le temple. Je me cache. On va se poser tranquille. Oh, yoy. Un monstre. Run. Suis-moi. Faut se trouver une planque. Donc on va aller à la cave parce que c'est là. C'est là le mieux. Donc run jusqu'à la cave. Run. Je me suis trompé dans le lac. Donc on n'est pas très loin. Vite, avant qu'il se téléporte à nous, à ton avis, il se téléporte. Moi je panique, je sais pas comment, moi je panique. Vous entendez peut-être le son du jeu en fond. Mais je l'ai mis pas fort. Oh. Ça va être la pluie, donc le monstre va être parti sur autre chose. Le monstre doit partir, je pense, trouve, il aime pas la pluie peut-être. De beaucoup, on est passé à plus que 3. Il faut quoi? Il faut tous aller dans la cave, venez. Il pleut. Bon, c'est la pluie. Moi j'ai pas dehors, je sais pas toi, mais moi j'aime pas la pluie. Aimes-tu la pluie? Ne dis pas qu'on va mourir. C'est de la pluie acide, donc si on sort, on peut prendre des dégâts. Non, c'est pas une pluie acide, c'est de la pluie de tempête. En gros, c'est une tempête, mon frère. La tempête nous fait mal, hein. Alors, ils ont deux. Mon cher, on est que 4. On est 3, donc tous les autres ont dû mourir. Il reste quelqu'un, mais je crois qu'elle est morte. Oui, bah elle est morte. Il ne reste que nous 3, mais déjà, ça fait bien, hein. Donc, on va attendre. Mais pas là, espèce de pute. Aïe. Donc tout le monde est allé dehors comme des couillons. Sauf moi. J'ai pas fait exprès, moi, je voulais... Je voulais dire de pas sortir. Bon, on a pris un peu de dégâts. Mais comment on va apprendre quand... non, rien. Le pique-nique, il va être détruit. Donc, on va voir. Donc, je sais pas si vous avez entendu, mais il y a un animal qui est mort. C'est fait. Donc, une style de biche qui est mort, donc je pense par le monstre. Ou ça trouve par un tueur. Et tu le tueur. Ou par la pluie. Ou par la tempête. Donc il y a deux probabilités. Donc le soleil se lève. Mais va pas dehors. Bon ben elle comme une couillonne, elle va dehors. Donc je crois que mon frère on va faire l'aventure tous les deux.
plus que 2. Maintenant, hop. Ah, elle n'est pas morte. Oh, elle n'est pas morte. Mais il y aura un petit problème. Non, on a perdu une tente. Regardez, la tente rouge. Moi, je l'ai vu. Elle est pas dangereuse, du gars. Bon, alors. Regarde, là-bas, il y a des personnes. Là-bas, des personnes, on va aller les voir. L'animal qui est mort, c'est un cerf. Il a fait un bruit de biche. D'accord, mais il était bizarre, un cerf qui fait un bruit de biche. Donc, il y a une biche là qui est morte. C'est un cerf. Donc, ils ont prévu d'installer des pièges, donc. On peut se prendre dedans aussi, ça nous fait très mal, hein. Je vous le dis. Donc, si on se prend dedans, ben, on est ralenti et sous la pluie, oui. Il y a ça va être un problème. Donc là, forcément, on est plus deux. Et il y aura un autre gros problème. Le monstre. Donc j'ai pas tout spoil, mais cette nuit, le monstre a fait quelque chose. Cette nuit. La nuit qui vient de passer, le monstre a fait quelque chose. Donc, je sais pas quoi, mais il a fait quelque chose. On pense que c'est le monstre, et c'est forcément lui. Et donc, on compte 5 sandwich, mais on est plus que 2. On est mort. Donc, le soleil va se coucher. Je panique un peu. Donc, on a des raisons de paniquer depuis qu'on a vu le monstre. Et depuis qu'on est deux aussi. Donc bon, ce début d'aventure est très pourri, je sais pas. Donc déjà, c'était aventure et la plus naze que j'ai jamais eue. Parce que j'ai déjà testé le jeu avant de le faire en vidéo. J'ai jamais eu, donc j'ai jamais vu autant de morts en une nuit. Ils sont tous soit fait tuer par le monstre, soit par la pluie. Ça peut être par les deux. Ou par les deux. Mais je crois plutôt par la nuit, parce que moi tout à l'heure j'ai regardé. Avec le top, j'ai regardé. Il y avait plus que moi. Donc là, on entend la pluie. On est où? Donc, on se trouve dans la cave. Et là, on va attendre. On va attendre et on va attendre. Donc. Donc, c'était écrit la nuit a commencé. Donc night farming. On peut pas aller dehors. Donc pour l'instant, comme vous pouvez le voir, on peut pas aller dehors. Mais on va attendre. Donc, suddenly you realize you forgot the picnic basket. Donc on a oublié le pique-nique au camp. Donc il faut que quelqu'un nous y aille. Et donc mon frère s'est dévoué pour y aller. Va-t-il revenir vivant? Je fais va-t-il revenir vivant? Non. Telle est la question. Non. En tout cas, sachez qu'il prend beaucoup de dégâts sous cette tempête. J'ai la moitié de ma vie, je fais le pique-nique. Il est déjà rendu et il lui reste plus de la moitié de la vie. Donc va-t-il réussir à revenir? Je vais lui envoyer des messages codés. Espérons qu'il voit mes messages pour qu'il se rapproche. Ah, j'ai fait mort. Je suis mort. La déprime, je suis mort. Donc comment allons nous faire? Va te tuer. Nous allons devoir aller chercher le pique-nique. Mais tu tombes, non. Donc go. Tu tombes, Mathieu. Eh ben je vais t'attendre sagement dans mon petit coin. Je pense qu'on va... Non, je vois pas... Oh, le camp est là. C'est foutu pour ça, moi, allez. Même si tu... Ouais, si tu manges le pique-nique, tu crois que c'était poison. Donc j'ai récupéré le pique-nique. Hop, on retourne au camp.
Donc mon frère vient de me spoil un poutine qui a été empoisonné. Café de monstre, c'est fini. Donc je suis forcément obligé d'avoir l'empoisonné. C'est la fin de cette histoire pour les deux campeurs. Donc on aurait dû aller plus loin dans l'aventure s'il y avait eu plus de monde. Et si mon frère n'avait pas fait le couillon. Je n'aurais pas allé chercher son doute s'il restait que plusieurs personnes. Hein. Ok. Mais il a fait le couillon en allant tous en allant sous la flotte. Donc Everest, Tony et Stifeed, donc un des sandwichs a été empoisonné, donc le seul. Ils se rendent compte qu'un des sandwichs a été empoisonné. Un pour un sandwich a été empoisonné. Et c'est pas toi. Et c'est forcément moi puisque j'étais plus que le seul. Bon, l'aventure est terminée pour nous deux. Allez, à plus. C'est la fin de cette vidéo. Donc, on va peut-être relancer, peut-être pas. Je sais pas, donc je vais attendre mon frère ici. Je ne suis pas au même endroit que toi, mon frère. Je suis au même endroit, bouge pas. Donc on va l'entendre à la pierre. Et tu es à la pierre? En sautant. Je suis à la pierre. Je saute sur la pierre. Donc nous sommes pas au même endroit. C'est dommage. Bon, c'est la fin de cette vidéo, merci de nous avoir écoutés. Nous donc, on va faire une vidéo de suite. C'est tout pour cette vidéo, et moi je vous dis à plus. Au revoir.